Maintenant, un thème, n'est-ce pas? C'est quoi? Le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Le caractère de Dieu. On a dit que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu nous appelle à la royauté. Mes amis, Dieu t'appelle à la grandeur. Même si tu es charbonnier, c'est pas grave. Mais tu vas être le plus grand charbonnier de Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu me dit pas, amen. Amen. Et depuis que tu es charbonnier, c'est pas ce que tu fais qui est important. C'est la qualité et qui tu sers ce que tu fais qui est important. Soit j'aime donner soit être des exemples. On dit que quelqu'un est conseiller de police. Un gars qui est coiffeur, les amis, on a dit qu'il est bon. Le commissaire, n'est-ce pas? Mais si le gars qui est coiffeur, là, le coiffeur d'Obama, de Donald Trump, le président français dit à moi-même, Macron, on fait même pas de conseiller de police. Franchement, le coiffeur, là, n'est pas à ton niveau. Moi, tu n'es pas à son niveau. Donc, c'est pas ce que je fais qui est mort. Il y a ce que je fais. Et la qualité avec laquelle je fais cette chose. Et là où elle me met. Quand je dis, je t'appelle à la grandeur. Alléluia. La royauté s'attache à tes pas au nom de Jésus. De Dieu désire plus que toi-même que tu sois au sommet. Il dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le poisson. On la met sur une montagne. Or Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand tu t'allumes, il te met sur le lieu élevé. Je déclare dans ta vie que Dieu te met sur le lieu élevé au nom de Jésus de Nazareth. La responsabilité de Dieu est de te lever. Mais le caractère est ta responsabilité. Or le problème des enfants de Dieu, c'est que nous avons les dons. Nous savons chanter. Nous avons dansé, nous avons prié, nous avons prêché. Mais nous ne travaillons pas le caractère. Or, Satan n'attaque pas le don, il attaque la faiblesse du caractère. Alors, quand plusieurs personnes avancent dans la vie, depuis un moment donné, ils disparaissent. On dit, voici tel footballeur, il est passé où? On ne sait pas, il est tombé. Parce que son caractère n'était pas bon. Voici tel champ, il est où? Il est tombé, il a disparu. Parce que son caractère n'était pas un caractère stable. Les amis, je vous exhorte, s'il vous plaît, travaillez votre caractère. Travaillez votre caractère. Arrêtons d'accuser les autres. On peut t'insulter, mais puis tu ne lâches pas. La réponse à l'injure, ce n'est pas l'injure. On peut t'insulter, mais puis tu ne lâches pas. On peut t'énerver, mais puis tu te maîtrises. Les amis, vos dons ne me supprimez pas. Vos dons ne supprimez pas Dieu. Car les dons sont communiqués par Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas le fruit du caractère que tu travailles. Le caractère n'est pas un don. Il est le résultat d'un travail. La plupart du fruit de l'esprit, le fruit est le résultat du travail d'un arbre. Tu dois travailler dans ta vie pour produire le caractère que Dieu veut. Car ton caractère te protégera. On va te voir, tu es une belle femme. Tout le monde veut te marier. Mais si tu as un mauvais caractère, personne ne te met dans son foyer. Ta beauté attire les gens. Tu n'as rien fait pour être belle. Mais tu fais du sport, tu t'entretiens à la base, à une semence de beauté que tu entretiens. Mais le caractère, si tu parles mal aux hommes, tu les escroques, tu les voles. Qui te met dans son foyer? Personne. Les amis, travaillons notre caractère. En tant qu'enfant de Dieu, mais importons d'avoir un caractère à la dimension de Dieu.
quand Dieu veut élever une personne, il ne cherche pas une personne qui est talentueuse. Il cherche une personne qui est fidèle. Une personne qui a un bon caractère. Quand une personne talentueuse qui a un mauvais caractère, est une personne dangereuse. Je le répète, s'il vous plaît. Travaillons nos caractères. Je l'ai dit dimanche, je suis passé. Il y a des gens qui écoutent. Et puis quand le pasteur prêche, il s'oppose à la parole de Dieu. Ils disent, le pasteur prêche contre moi. Oui, je prêche contre toi. Mais est-ce que ce que je dis c'est faux? Si c'est vrai, tais-toi, change de vie. C'est ce qu'il dit est faux. Tu as raison. Mais c'est ce qu'il dit est vrai. Alors tais-toi, change de vie. Souvent on est assis. On dit le pasteur me guette. Dans ce moment-là, c'est quand il prêche. Mes amis. Et je l'ai dit. Ce qui fait que c'est difficile d'être pasteur. Parce que si tu es dans l'église, il y a une fille qui a volé. On peut même prêcher aussi le vol. Mais si tu prêches le vol, on dit non, il prêche contre la soeur qui a volé. Tu peux me saisir? Ouais. Si tu es dans l'église, il y a une personne qui a tué le message sur le meurtre pour le prêcher, n'est-ce pas? Et le jour où on va le prêcher, on dit le pasteur guette Gasparito. Si on apprend qu'une soeur a fait avortement, on peut prêcher contre l'avortement, lui ou non. À un moment donné, on ne prêchera plus. On fait annonce. Mais à Dieu, dimanche prochain, le coup c'est 9h, 11h. Quand on vient, on chante, on sort à la maison. On peut plus prêcher, lui ou non. Il faut qu'on prêche la parole de Dieu. Si quelque chose tu l'as fait, qu'on prêche là-dessus, c'est pas parce qu'on va encore être indexé. Soit on ne sait pas, puis on prêche la parole de Dieu. Mais il faut que tu acceptes ta responsabilité. Est-ce que la Bible dit est vrai? Est-ce que l'homme de Dieu dit est vrai? Si c'est vrai, mon ami, accepte et change de vie. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais venir à prêcher sur la joie. Aujourd'hui, on va prêcher sur un autre thème qui est manifester la paix de l'esprit. Manifester la paix de l'esprit. Le thème c'est manifester la paix de l'esprit. Pourquoi dire manifester? Parce qu'on manifeste le ce qui existe. La paix est en toi. Parce que l'esprit est en toi. Maintenant, cette paix qui est en toi, il faut la manifester. Gloire à Dieu. Manifester la paix de l'esprit. C'est le thème d'aujourd'hui. Notre passage de base, c'est Galates 5, 22. Il dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. La loi n'est point contre ces choses. La paix est le troisième élément du fruit de l'esprit. On ne dit pas le fruit, on dit le fruit. Mais c'est un fruit qui a plusieurs parties en lui. L'une des parties est la paix. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu auras la paix dans ta vie. Si tu es l'enfant de Dieu, partout où c'est malade, il y a un problème. Il n'est pas de Dieu. Regarde votre problème. Alléluia. Amen. Manifester la paix de l'esprit. Et on va définir le mot paix. Dans Galates 5, 22, parce que le mot paix qui est là, c'est le mot Eirene. Eirene qui veut dire un. État de tranquillité nationale. Exemption de la rage et du ravage de la guerre. C'est un état où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de crise, de palabres. C'est un état de tranquillité. Il n'y a pas de crise. Dans la famille, en maison, il n'y a pas de palabres. Il n'y a pas de palabres à l'église. Il n'y a pas de palabres en nation. Dans un lieu où il n'y a pas de palabres, n'est-ce pas? Amen, c'est ici, n'est-ce pas? Donc, paix, dit état de tranquillité. Amen. Il peut y avoir la guerre, il peut y avoir la paix. La vie en Côte d'Ivoire. 2002, 2004, il y avait la guerre. 2004 à 2010, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la paix. Chaque armée, il peut l'assister. Dans le foyer, et maintenant se bat. Quand on lance les assiettes qui volent, après, les assiettes ne volent plus. Mais monsieur a quelque chose contre sa femme et vice versa. Il n'y a pas de palabres, mais il n'y a pas la paix. On connaît sa vie, n'est-ce pas? Très bien. Le frère, je ne lui parle pas, lui, je ne lui parle pas, mais la soeur se regarde. Il n'y a pas la paix. Même s'il n'y a pas la guerre. Harmonie, concorde. Sûreté. Sécurité. Regardez. Prospérité. Pourquoi?
La première vient de la paix, de l'harmonie. Les amis, là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de prospérité. Alléluia. Donc le mot paix là, il veut dire prospérité, il veut dire harmonie, concorde, il veut aussi dire prospérité. Quand on est bleu, le mot paix c'est quoi? Shalom. Le mot shalom, si il veut le mot shalem, qui veut dire prospérité. Donc la paix et la prospérité vont de paix. Si tu n'es pas en paix, tu peux être prospère. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas prospère. Quand tu prospères, c'est pas avoir l'argent. On peut être riche, c'est être prospère. Tu as des milliards, mais tes enfants sont des drogués. La semaine de toi, c'est des histoires. Ta santé a pris un coup, tu n'es pas prospère. Alléluia. Très bien. Donc voici un peu la définition de la paix. Quand on voit cette définition, on comprend déjà que c'est important d'avoir la paix. Il y a plusieurs types de paix. On va voir différents niveaux de paix. Alléluia. Et on va aborder aujourd'hui un niveau. Il y a deux types de paix. Regardez bien. J'appelle ça le premier niveau, c'est la paix relationnelle. La paix dans mes relations. C'est le premier niveau de paix. Le deuxième niveau de paix, c'est la paix comme une bénédiction. J'ai expliqué les enfants, nous faites quoi, j'ai expliqué. Il y a deux niveaux de paix. Le premier niveau de paix, c'est la paix dans mes relations. Le deuxième niveau de paix, c'est la paix comme une bénédiction. Alléluia. Quand je l'ai expliqué, on va comprendre. Premier niveau de paix, la paix relationnelle. La paix dans les relations. Amen. Regardez bien s'il vous plaît. Un, la paix relationnelle. Un, la paix avec Dieu. Alléluia. La paix avec Dieu. On a trois types de relations. Amen. On a trois types de relations. La première relation, c'est ma relation avec Dieu. Un. On est sûr, n'est-ce pas? La deuxième relation, c'est ma relation avec les autres. La troisième relation, c'est ma relation avec moi-même. On est sûr, s'il vous plaît? Je vais expliquer. J'ai une relation avec Dieu. Donc je peux être en paix avec Dieu. J'ai une relation avec moi-même. Je peux avoir la paix moi-même dans mon corps, dans mon esprit. Je suis troublé. Et puis, je peux avoir la paix avec les autres. Donc il faut avoir la paix à ces trois niveaux. Avec Dieu, avec toi et avec les autres. La paix avec Dieu. Romains 5, 1 dit quoi? Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, je peux être en paix avec Dieu. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il peut aussi avoir la guerre avec Dieu. Ah, mais ça c'est pas. Que le manque de paix avec Dieu. Ok. La paix avec soi. 1 Samuel 25, 6 dit quoi? Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Sois en paix. Toi-même, sois en paix. Aie la paix du cœur. Quand tu peux pas avoir la paix du cœur. Alléluia. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant, la paix avec les autres. 1 Thessaloniciens 5:13. Elle est pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ça, c'est la paix dans les relations. Bien aimé frère, tu es enfant de Dieu. Tu es dit, soyez en paix avec les autres. Tu es un enfant de Dieu, tu as parlé tout le monde, tu as un problème. Tu as un problème. Bien vrai, sois converti. C'est toi au travail, il n'y a toujours pas la paix. Tu as toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Certains gens sont toujours bizarres. Tout le monde est mauvais. Toi, tu vois que les défauts des autres. C'est tellement parfait que tu vois que les défauts des autres. Quand tu vois quelqu'un net, on lui est le plus orgueilleux. On sait la faire trop le malin. Lui, c'est un menteur. Lui, c'est un. On lui a dit, il faut laisser. Il n'y a pas de confiance. Et tu n'as pas. Toi, tu as tellement grand. Tu as un peu d'amis. Les autres sont mauvais. Moi, je marche seul. Tu as un problème. La Bible dit aussi, l'on peut vous attendre de vous.
soyez en paix avec tout le monde. Il y a des gens avec qui c'est en paix, la paix, à cause de Jésus lui-même. Mais à part ces personnes, il veut être en paix avec tout le monde. C'est pas bien que la foi de Dieu ait des histoires. Dis-moi, tu as une histoire avec ton voisin, ta voisine, ton corps de service. Comment tu veux lui prêcher l'évangile? Vous ne savez même pas que les histoires, c'est le pied du diable pour bloquer l'œuvre de Dieu. Dieu nous sommes, regardez bien. Dieu dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. N'est-ce pas? Les deux influences. Ah mais c'est dit non. Bon, n'est pas dit. La lumière et le sel influencent. La lumière influence à distance. Donc, tu n'as pas besoin d'être proche de la lumière. Pas t'éclairer par la lumière. À la lumière de loin est éclair. Le soleil n'est pas là où nous sommes. Il est très loin. Mais il éclaire la terre. La lumière éclaire à la distance. Donc, quand tu es en forme de lumière, on voit ta vie. On voit ton ministère. On voit ton mariage. Ta vie est de loin. Je ne te connais pas. Mais voir tes enfants sont bien élevés. Ils sont à l'école. Il y a la paix de ton foyer. Ton épouse et toi, ton mari et toi, ça va bien. Il ne te fréquente pas. Mais de loin, il te regarde. Et puis, il copie, il apprend. Et puis, il évolue. Tu as lumière. Il ne marche pas avec toi. Mais il te voit marcher. Il marche comme copie de Dieu aussi. C'est ainsi que la lumière fonctionne. Donc, notre étape de lumière, ou notre aspect de lumière, c'est d'influencer positivement ceux qui sont loin de nous. Il marche avec moi. Mais il voit la façon dont tu fais ton ministère de chant avec sérieux. Tu pries avant de faire. On voit une certaine rigueur. On voit ta vie. On dit, j'ai fait comme cette personne. Et on va t'imiter quelque chose. Il n'a rien parlé à toi. Il sait pas où tu habites. Mais de loin, ta lumière est claire. Et il sort des ténèbres. Et il vient aussi à la lumière. C'est l'aspect influence par la lumière. Mais Jésus n'a pas donné la lumière du monde. Il est aussi sel de la terre. Le sel ne fonce pas à distance. Vous payez une barrique de sel, mais là-bas, prépare ta sauce à distance. Il n'y a pas de sel dedans, mange. Tu vas vomir ce que tu manges. Il y a le sel à côté. Mais tant que le sel n'est pas en contact avec la sauce, il ne confère pas sa nature salée. Est-ce qu'on me saisit? Il y a des personnes avec lesquelles il va être en contact pour que ta vie puisse les affecter. Ensuite, tu as des problèmes avec elle. Comment tu as pu les affecter? C'est pourquoi Satan permet des histoires dans votre environnement. Avec les voisins. Il va permettre des gens te critiquent. Les gens montent sur toi. Les gens frappent tes enfants. Ou bien, les gens font quoi encore même? Demande des histoires, s'il vous plaît. Les gens t'insultent. Jamais te volent. Juste pour que tu t'énerves. Que tu as raison, n'est-ce pas? De réagir. Mais ta raison crée un problème. Ce qui est converti. Plus convaincant. Voici le moment qui est là, avec, qui est là, souvent à la maison. Les choses passent, ils disent, on vous laisse. Laissons tomber ça, laissons pas avancer. Dès qu'il fait, il n'est pas chrétien. Et même si tu es chrétien, il n'est pas à ton niveau. Nous, les chrétiens, c'est homme de Dieu. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, laisse ça, laissons ça, avançons. Tu viens avoir raison. Mais si ta raison est un blocage à l'œuvre de Dieu, Dieu te rendra compte. Donc n'agissez pas pour ta raison seulement. Oui, j'ai raison. Je dois parler. Mais si je parle, et à cause de ce que j'ai dit, ma raison est païenne meurt dans l'enfer. Or, Dieu l'a mis à côté de moi pour me financer. Dieu me demandera des comptes. Mes amis, si tu as suivi Dieu pour déménager, pour être là où tu habites actuellement, que Dieu a une mission pour toi là où tu es. C'est des voisins qui sont là, ne sont pas là par hasard. C'est au travers de toi, tu veux changer la vie de quelqu'un. Accepte qu'on te marche là-dessus pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pas ton repos. C'est pas ton repos. Il y a des choses, ni le combat. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le rendez-vous voir, s'il vous plaît? Et donc, ça, c'est la paix relationnelle. Alléluia. Et parce que avec la paix comme une compagnie ou la paix comme une bénédiction. Amen. Regardez ce passage. On l'a lu. 1 Samuel 25, 6. Et vous lui parlerez ainsi. Vous la vie soit en paix. Et puis il dit que la paix soit avec ta maison.
et tout ce qui t'appartient. Il y a un autre niveau de paix. Ce n'est pas la paix dans la relation, mais c'est la paix qui est avec toi. Où tu vas, il y a la paix. On dit, il y a une crise. Quand tu arrives, la paix vient. On peut comprendre, j'espère. Ce n'est pas la paix avec quelqu'un. Il n'y a pas, c'est pas avec quelqu'un. Parce que la paix est une personne qui t'accompagne. On dit que la paix soit avec toi, avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Donc la paix est avec. Ce n'est pas la paix en toi, c'est la paix avec toi. On me saisit. Amen. Jésus dit, si vous êtes dans une maison et qu'elle vous reçoit, que votre paix vienne sur cette maison. Mais elle est comme une compagnie qui, quand elle est quelque part, elle vit dans la maison. C'est comme le cas de Joseph. Il arrive chez Potiphar, il y a la paix avec lui. On dit que la paix, c'est une prospérité. Il arrive, comme Joseph habite chez Potiphar, la paix aussi habite chez Potiphar. Je peux pas dans ta vie que là où tu es, la paix habite au nom de Christ de Nazareth. Peu importe la situation d'entreprise où tu es, du quartier où tu es, à cause de toi, la paix de Dieu localise ton entreprise, localise ta maison. Et ce quartier, cette maison est transformée au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux avoir le droit, s'il te plaît? Mes amis, il y a une paix avec vous. Et on va aborder après comment on la développe. Tu as lu quelque part, le lieu a changé. Quand un sorcier se déplace, il va avec la guerre avec lui. Si tu as mis sur toi un sorcier, tu ne sais pas. Tu as fait ta maison des choses bizarres. Enfin, ton malade, les abattons s'écartent, les cauchemars. Après, on savait ça. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Parce que quoi? Un sorcier, n'est-ce pas? Tu sais quoi, n'est-ce pas? Alors dites-moi, pourquoi quand toi tu vas appliquer chez tes parents, tu vas chez ton ami, tu vas au travail, et puis les choses ne s'améliorent pas? Si un sorcier peut venir changer l'atmosphère de ta maison, pourquoi quand toi tu as quelque part, là, tu ne changes pas? Mes amis, tu dois transporter Dieu. Tu dois transporter Dieu. Quand quelque part, tu ne parles pas, Dieu parle à ta place. Tu ne fais rien, il ne change. Le niveau qu'il faut atteindre. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, ça c'est la paix comme une compagnie, comme une bénédiction. Alléluia. Amen. Et on va aborder ces différents niveaux de paix. Aujourd'hui, on va aborder la paix avec Dieu. Aujourd'hui, on va aborder la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, je vais te poser une question. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Ou bien on Dieu toi, c'est les histoires. Je pose la question. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Parce que avant d'avoir la paix dans ton âme même, il faut avoir la paix avec Dieu. Regardez mes amis. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Si tu n'es pas sauvé, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il n'y a pas la paix avec Dieu. J'ai prêché un message comme personnellement de Dieu. J'ai besoin de l'église. Je vais t'évangéliser. Si tu meurs tout de suite là, et que tu es sûr de toi. Mes amis, alors l'église ne sauve pas. Tu vas danser à l'église, chanter, prêcher. Et Dieu est fâché avec toi. Dieu te connaît même pas. Plusieurs personnes sont dans nos églises. Tu sais dans nos églises. Ceux qui n'ont pas de responsabilité, ils n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Jésus a sauvé le monde entier. Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Il n'est pas pour nous tous. Quand les païens ne veulent pas, Jésus est mort pour lui. Mais le païen n'a pas Jésus pour son Seigneur. Jésus est ton Seigneur. Mais dimanche au soir, on va à l'église. Oui, c'est vrai. Mais bien aimé frère, je te pose une question sincère. Si à l'instant où nous sommes, Dieu te rappelle, est-ce que tu es sûr de ce que Dieu sait dire à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien d'être un roi ou une reine. Ça ne sert à rien.
Dieu veut ta vie. Dieu veut que tu sois sauvé. Ne fais pas l'église pour remplir les bancs, pour occuper les postes, les sièges. Et notre vie ne reflète pas la vie de Dieu. Est-ce que vous savez que mentir à Dieu entraîne la mort? Dans le Nouveau Testament, ils ont dit aux gens, on va faire notre bien, venir donner à Dieu l'œuvre de Dieu. Deux personnes, Ananias et Saphira, ont vendu leur bien, mais n'ont pas tout donné à Dieu. Ils sont morts à l'instant. Ils ont menti à Dieu. Tu vis mal, tu prêches à l'église. Tu vis mal, tu chantes à l'église. Tu vis mal, tu pécores à l'église. Sans que tu le saches, tu as décidé ta vie la malédiction. Si on dit à quelqu'un, voici un féticheur, va le chiffrer. Même si la Yves va te charmer de la vie. Féticheur, quoi. Je dis, monsieur, voici un féticheur, cherche sa fille. Il faut qu'on lui parle plusieurs fois que vous allez chercher la fille de féticheur. Mais il sait que si ça amuse mal, il y a la mort dedans. Mais les amis, Dieu est plus dangereux que le diable. On n'a pas peur de Dieu. On est dangereux. Regardez, mes amis. Parce qu'une personne, il n'a pas trois enfants, il n'a pas dix enfants, il a un enfant. Un. Et puis tue son enfant à cause de quoi? Il n'a pas une pitié de son enfant. Si quelqu'un n'a pas une pitié de Jésus, de qui va la pitié? Pour te sauver, il n'a pas une pitié de Jésus. Et je dis, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as abandonné Jésus pour te sauver. Si tu n'as pas une pitié de Jésus, dis-moi, c'est de qui va la pitié? Si tu vis dans le péché, il n'aura pas pitié. À qui montons-nous? À qui montons-nous? À l'homme de Dieu. Tu viens à l'église et tu as une double vie. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as décidé toi la malédiction. L'homme ne voit pas, mais Dieu te voit. Zacharie est rentré dans le temple, il est sorti muet. Rentrer servir Dieu, il est sorti muet. Il rentrait en parlant, il est sorti pas parler. Parce que Dieu l'a frappé. Mes amis, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Maintenant, nos chrétiens de 2000 des années actuelles, on dit c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est mon copain, c'est ma copine. Tel est le temps que tu as utilisé. Mais que les fiancés ne vont pas ensemble. Mais si tu vas vers lui, ou elle va vers toi, il n'est pas fiancé. C'est ton copain, c'est ta copine. N'aie pas peur de dire, pasteur, c'est ma copine. C'est pas ton fiancé. C'est ton copain. Nous, chrétiens, on fait des choses que même les païens ne font pas. Je dis, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il est content? Il y a des gens, quand à l'église, on prie, on prêche. Il peut dire, on fait un ministère de révélation. Il prie, Seigneur, Dieu ne parle pas de moi, s'il te plaît. Ah, Rachaka, Seigneur, cache ma vie à l'homme de Dieu. Comme un chrétien peut prier pour que Dieu cache sa vie? Ce n'est pas la discrétion, c'est la peur que les choses cachées soient révélées. Je connais une personne. Dans l'année 2007-2006, il a eu un songe. Et il a vu le ciel ouvert. Il a vu un regard. Un œil gros dans le ciel. Et dans son esprit, c'est l'œil de Dieu. Il était méchant d'abord, en colère. Il était rouge, l'œil le regardait en colère. Il a dit, toi avec quel œil tu te regardes?
Il se réveille un peu. Il dit, ah, mon ami, mon frère, Dieu fait avec moi. Il dit, pourquoi Dieu fait avec moi? Tu as fait quoi? Je dis, comment Dieu te regarde? On est plein d'évangélisés. Mais il y a plein de gens à l'église qui sont des païens. Des païens. Tu es quelqu'un, tu voles. Tu mens. Tu fais partout les histoires. On te connaît comme la personne qui parle mal aux gens. Comme la personne qui fait parler partout. Comme la personne qui vole. Comme la personne qui fait n'importe quoi, qui boit. Tu viens à l'église, mais tu as vu hier. Tu viens à l'église aujourd'hui. Dis-moi de qui se fout-on. De qui? Vous vous moquez. Tu bois. Tu es ivre. Tu prends un peu de pâteau. Quand même pas la laine, tu vas à l'église. Quand on chante, tu tombes un peu en disant l'onction. C'est pas l'onction. C'est l'excès d'alcool dans son corps. Tu vas tenter un peu. À la sœur qui l'a touché aujourd'hui. C'est pas Dieu qui l'a touché. C'est Bacchus, le dieu de l'alcool qui l'a touché. Et on vient à l'église. Les amis de qui on se moque. Tu es bon. Mais tu as aussi un feu qui dévore. Soyons intègres. Marchons avec Dieu en sincérité de vie. Mon ami, tu n'es pas encore sauvé. Je t'en prie, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu vas prêcher, mais je vais parler. S'il te plaît, accepte Jésus. S'il te plaît, accepte Jésus. Car si tu meurs, il n'y a pas purgatoire. C'est pendant que tu fuis là qu'on doit prier. Que tu dois prier que Dieu t'accepte. Ça, les amis, c'est facile. Ça, c'est facile, les amis. Aïe. Supposons qu'il y ait purgatoire. Très vrai. Pourquoi j'ai gêné? Il y a ma femme. Tu m'aimes, non? Je t'aime. Entre nous, lui qui voit le premier, le second prix pour lui qui l'a le ciel. Tu vois la vie, mon frère. Mes amis, la Bible dit, il est réservé aux gens de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Si tu meurs aujourd'hui, où es-tu? C'est la vraie question. On est chrétien, on sort les hommes mariés. On est chrétien, on a deux, trois, quatre gars. Même les païens ne font pas. Écoutez, aujourd'hui là, si Jésus venait, où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Telle est ma question pour toi. Telle est ma question pour toi. Où iras-tu? Où tu vas travailler, c'est vrai? Les amis, on le don de l'hypocrisie. Beaucoup se donnent cette qualité hypocrite, ils ont ça. Quand tu le vois, puis cet homme-là, il te dit la vérité dans l'église. Si tu te dis, homme de Dieu, pasteur, regarde, toi qui sont sauvés, tu dis, je sais que Casalito et Casalita, eux, ils sont sauvés. Quand tu le vois, tu sais, tu vas aller au ciel. On se garde. Cette go. Même le diable, et toi, les prouesses démoniaques. Il a dit, mais pas qui t'a appris ça? Même les supplies du niveau de péché. Et les choses que nous faisons, que même les païens ne font pas. Je te pose une question. Si aujourd'hui, Jésus te rappelle, où tu seras? Ce qui est bien. Moi, je ne sais pas ce que moi j'ai fait. Donc, comme Dieu a exposé une personne dans l'église, c'est dans leur val. Mais ça, nous, on fait pire que ce qu'il a exposé. Ça, nous, on fait pire. Et c'est pas comme Dieu aime son serviteur. Il lui cache des choses. Mais il y a des choses qui te disent, tu n'as pas menti. Il y a des moments où tu sais que quelqu'un, il presse quelqu'un.
Si une personne perd les chaînes, on ne dit pas comme ça. On dit doucement. On dit c'est la vie là, c'est Dieu. Hein? Et on n'est pas éternel. Mais on fait attendre ton cœur. Tu sais, on fait tout pour le préparer, pour lui dire que quelqu'un est décédé. Donc il y a des choses que Dieu a voulu le préparer pour lui dire que ton fils tant. Voilà ce qu'il fait. J'ai dit. Si tu dis à Dieu, je veux mon avis de telle personne, et toi tu vas me donner de ma vie. Quand tu pries, je veux que tu veux ta vie. Nous chantons bien à l'église. Nous dansons bien à l'église. Nous prêchons bien à l'église. Mais notre cœur n'est pas différent d'un cœur de païen. Je dis, frère, aujourd'hui, je suis évangéliste. Et je suis dans le monde en train de prêcher la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, mets ta vie en ordre avec Jésus. Arrêtons de vivre dans le péché. Quand il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu peut pas exaucer une personne qui continue de vivre dans le péché. Et pas plus tard qu'hier, il y a quelques jours de cela, je pleurais, je parlais à Dieu. Seigneur, voici, voici, voici. Dieu dit qui est responsable? C'est toi qui est responsable. Oui, c'est monsieur responsable. Il y a des choses que j'ai tolérées. Il y a des fils dans l'église, ils ne sont pas des fiancés. C'est des copains. Mais j'ai toléré. Car à quelqu'un, je vais t'exposer publiquement. Il dit, car à quelqu'un, je vais t'exposer publiquement. Car je ne participerai pas au péché de quelqu'un. Mets ta vie en ordre. Je n'ai pas ta fiancée. C'est ta copine qui était dans ça. Arrêtons de vivre mal. Arrêtons de vivre mal. Arrêtez de vivre mal. Changez de vie. Changez de vie. Ce qu'il a fait. Je prie Dieu. Peut-être l'église dit qu'il a le péché dans l'église. Dans le péché dans l'église. Comment vais-je agir? Dans le péché. Les chrétiens qui font des avortements. Déjà, tu vas forniquer. Si tu n'as pas eu honte de forniquer, quand tu viens avoir honte de cacher ta grossesse. C'est vrai. En plus de faire la fornication, on s'en fait des cris, on s'en fait des avortements. Pour cacher à l'homme de Dieu. Moi, je n'ai pas vu, mais Dieu était présent quand tu fais l'avortement. Il l'a vu et t'a compris. J'ai besoin de révélation. Dieu parle à ta vie et dit, Jésus veut que tu sois sauvé. Il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, je ferme ton cœur, ouvre ton cœur, j'entrerai. Aujourd'hui, je te parle de la part de Dieu. Tu venais à l'église hier, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, viens à Jésus. Quand tu peux être membre de sa royale, c'est le membre de l'église de Christ. Pardonnez. Pardonnez. Mettez votre nom. Pardonnez. Mettez votre nom. C'est comme si je criais, je priais à Dieu. Dieu m'a sermonné. Dieu est responsable. Si nous avons fait dans le péché, tu es responsable. Tu as conduit. Tu as posé sa laisse à brûler. Je ne vais pas taper Dieu sur la table. Je vais parler aujourd'hui à tous ceux qui vivent en couple, qui n'ont pas encore fait des dots. Je vous dis, le temps va venir, je te prie. Je vous le dis en même temps. Je demande de vous marier. Je dis, séparez-vous. Quand vous serez prêts, vous allez vous marier. Je demande de vous marier, je demande de vous pousser au mariage. Je vous pousse à la sanctification. Amen. Je ne viens pas de vous marier. Hein. Non. Je ne pas dans 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de problème. J'attendais 5 ans, 10 ans. Mais j'ai dit, entre-temps, séparez-vous.
car Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Je répète, j'ai dit, Dieu ne connaît pas. Mais que pasteur a dit accepté hier, il a compris hier. Mais Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Mes amis, l'enfer existe. Mes amis, je dis, l'enfer existe. L'enfer existe. Je peux me mettre dans 1000 ans, il n'y a pas de problème. Sais-tu que tu vas mourir? Est-ce que tu sais que tu vas mourir? Tu sais? Et j'ai continué encore. Mais je n'ai pas dit hier. Je vais aujourd'hui le répéter. Ceux qui ont fait d'autres, je ne connais pas d'autres. Ça ne m'intéresse pas. Je connais que Dieu le connaît, le mariage. Civil. Le mariage, ok. Amen. En Côte d'Ivoire, la dot est illégale. Vous savez? Vous le savez? Vous ne savez pas? On nous donne des doctrines de démon. Non, le vrai mariage, c'est la dot. Le vrai mariage, ce n'est pas la dot. Aucun homme ne prend la dot. Encore une fois, on ne prend pas la dot. La dot est illégale. Mais la parole veut qu'on fasse la dot, on l'a fait. Mais je ne pèterai pas une dot. Je vous le connais pas. Et puis, en vérité, dans l'église, c'est qu'on fait la dot qu'on est chassé. C'est qu'on fait la dot qu'on vous présente. Donc, quand il n'y a pas de fiancé, c'est ton gars, c'est pas ta copine, c'est pas ton fiancé. Je présenter ici des gens comme fiancé avant la dot. Et je ne prie pas pour un enfant qui est né hors mariage. Comptez sur moi. Je ne participerai pas à vous pécher. On vit dans le péché et on se complète dedans. Et on dit ma vie n'avance pas. Comment t'arrives à avancer? Comment t'arrives à avancer? Je t'entends, tu meurs, tu vas le faire. Quand j'ai dit ça, je suis que les gens sont bêtes. C'est la parole de Dieu. Tu as vu des églises évangéliques où après la dot avait béni le mariage? Tu n'as pas vu? Pourquoi? La dot, c'est le consentement entre les parents. La mairie ne le connaît pas. L'église est bénie, ce que la mairie le connaît. Après la dot, c'est les fiançailles. C'est pas fait la dot, ils sont fiancés. C'est après maintenant, on dit bon, on fait rompre la dot. Alors on donne les cadeaux à la personne et on avance. Donc quand tu as vu demain le prêter pour fiancé, sois sûr que ça peut la dot. Nous venons de le prêcher. Comme les parents pour ta fille, ah c'est ma fiancée. Depuis quand? C'est ta copine? C'est ton copain? Les mêmes parents aujourd'hui là, qui vous connaissent là. Si la fille a un problème, vous ne te connaissez pas. Vous êtes pas comme ça. Vous voulez pas vivre à la sorte, s'il vous plaît. Amen. Vous voyez Dieu. Amen. Vous avez des histoires. Où est une femme et qu'avec une femme. Vous faites 15 ans ensemble, vous vivez ensemble. Quand la fille meurt, on dit, mais il faut la doter maintenant, on ne te connaît pas. Mais ils t'ont jamais connu. C'est faux, où est-ce qu'il y a faux? Ils t'ont jamais connu. C'est après la dot, les parents te connaissent. Et tes parents vont dire à la personne que à où on veut ta fille. Et pas nous, on est d'accord. Ils sont d'accord maintenant. On va voir maintenant l'État. Vous dites, nous, maintenant, on veut maintenant nous unir par le lien du mariage. Et puis après, Dieu veut me bénir. Tu estimes que tu es trop jeune pour te marier. Alors tu es trop jeune pour avoir des rapports sexuels. Tu n'es pas encore prêt pour te marier. Alors tu n'es pas encore prêt pour avoir des rapports sexuels. Arrête de vivre le péché. Arrêtez de vivre le péché. Arrêtez de vivre le péché. Car ces choses détruisent vos vies. Je sais pas qu'on a moyen. D'abord, c'est des moyens aussi pour avoir de la politique. Je sais pas qu'on a moyen. Je veux ton salut, mon frère. Et je te prends la part de Dieu. Sans pierre. Sans paix.
responsabilité de ta vie. Comme Dieu, là où tu sais que ta vie n'est pas pure. Ah, vas-y. Pourquoi tu parles à Dieu? Là où tu sais que ta vie n'est pas pure. Ah, coupez Dieu. Pourquoi tu parles à Dieu? Là où tu sais que ta vie n'est pas pure. Parle à Dieu, réponds-toi devant lui. Quand il dit, Jésus, c'est le personnage que tu crois, vas-y. Parle à Dieu, s'il te plaît. Te donner la vie et sur la croix il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie et sur la croix il fut cloué.